La première émotion qui vous est venue sur le plan culinaire, c'est quoi? Peut-être la première fois où je me suis mis à table avec un couteau et une fourchette et que j'ai pu effectivement déguster, manger et découvrir des saveurs, des textures et apprendre à aimer le goût et aimer à manger. C'est de l'enfance, c'est une éducation. Et la passion pour la cuisine est venue à ce moment-là. Le plat que vous réussissez le mieux. Dès l'instant où on réunit les meilleurs ingrédients du moment, de la saison et que l'on cuisine avec son cœur, je pense qu'on ne peut pas lui perdre. D'accord. Mais on peut avoir un ingrédient fétiche. Chez vous, c'est quoi? Et vraiment, il y a tellement d'ingrédients fétiches que je ne vais pas les énumérer. On n'a pas assez de temps. Mais j'aime le produit, j'aime la saisonnalité et j'aime manger. Donc il n'y a pas vraiment d'ingrédient qui me manque. Et ce qui est très important, c'est de ne pas mélanger, ce qu'on a tendance à faire aujourd'hui, c'est de mélanger les saisons, de manger des fraises en décembre et manger des figues au mois de mai. Je pense que le plaisir vient dans l'attente, on anguille les premiers très bons fruits, on anguille les premières cerises. Il faut garder cette âme-là, il faut transmettre aux jeunes ces valeurs qui sont, je pense, un peu en perdition. Voilà comment on aime manger. Bon, je vais manger en tout cas. Si vous n'aviez pas été cuisinier, qu'est-ce que vous auriez fait? Alors, probablement, j'ai une grande passion pour le vin. Donc, ça aurait été dans le vinicole, j'aurais été, je sais pas. Mais cuisiner est venu très tôt, donc il ne faut pas être trop temps de réfléchir. Mais j'adore le vin, j'aime la terre, j'aime être dehors aussi. Quelle est votre plus grande réussite dans la vie? La plus grande réussite, c'est d'être. C'est d'être là aujourd'hui, là où vous êtes ou... Ça fait partie de la vie professionnelle. Après, la vie d'un cuisinier se construit sur une vie, sur une bonne base, sur des bases personnelles, une éducation, grâce à mes parents, une hygiène de vie à la maison. Et après, professionnellement, vient au fur et à mesure. Effectivement, aujourd'hui, je reprends les cuisines du restaurant La Serre. La Serre est une maison emblématique française et connue au-devant de la scène mondiale. Il y a un seul La Serre, il n'y en a pas deux. Donc, très heureux, très fier d'être derrière ces fourneaux. Bon, on parlait de saisonnalité, là, on est en plein dedans, là. Alors qu'est-ce que vous nous concoctez aujourd'hui? Je vais vous faire un bouquet de légumes. D'accord. Donc il y a du cru, il y a du cuit, il y a des herbes, il y a aussi des fleurs, tout est de saison. Alors pour socle, j'ai donc utilisé du céleri rave, des courgettes et des carottes. Ouais. Donc on les a taillées en fil lamelles. L'idée c'est d'avoir un bouquet, donc ça vienne un peu devant, pas dressé à plat. Donc j'ai dressé... Oui, on est en relief là, il y a vraiment une dimension. Tout à fait. Et ces petits ronds, on va les garnir de guacamole. D'accord. Enfin, je peux me permettre. Ouais. Alors, on farcit légèrement. On va farcir 1 sur 2 ou 1 sur 3. D'accord. Donc après c'est très simple. Que des fruits, des légumes et des herbes. De saison, on a du cru, on a du cuit, on a de l'acidité, de l'amertume, de la douceur, voilà. Et ensuite on réalise un petit bouquet de légumes. Alors là on a de l'artichaut. Des petites carottes, du green meat, du red meat, des petites asperges. Voilà. On va faire un petit bouquet, du radis, des petits kiwis, l'île de France, du concombre légèrement grillé à la grillade pour apporter un petit goût fumé, du pamplemousse pour l'acidité. Pour finir dans l'assaisonnement, on versera juste ce qu'il le faut d'huile d'olive sur le plat, sur le bouquet, pour l'assaisonner tout simplement. Ça amène le goût, la fraîcheur, la fleur de sel vient la répartir et deux tours de moulin du moulin à poivre et le plat fini, prêt à déguster. Bravo, c'est magnifique.